Yo, minasan, et bienvenue sur l'épisode de Fallout 4 154. Donc voilà, ouais, ça fait un joli numéro. Donc voilà, vous êtes bienvenue sur cet épisode. Donc voilà, donc comme vous pouvez voir, c'est la suite de l'épisode 153. Donc voilà, donc bonne idée d'avoir coupé ça en deux, parce que franchement c'était une heure là. Bon, pour cette série ça va, mais c'est là, c'est bon. Donc voilà, donc bon visionnage. Encore fichu. C'est la troisième radio ce mois-ci. Tête a intérêt à s'en occuper vite. Pardon. Encore une nouvelle bien, bonjour, tête. Bonjour, camarade. C'est un plaisir de voir... Bienvenue. On ne tolère ni la violence, ni la vulgarité. Si ça correspond à votre façon de penser, on s'entendra très bien. Vous savez bien que je suis incapable d'ingérer le moindre liquide. Nous ne faisons pas de discrimination. Tout le monde peut apprécier la limonade de... Cette cellule n'est pas là pour faire semblant. En modération, dans la limite des stocks disponibles. Le pauvre bougre. La programmation de 10 heures est tellement stricte... Bonjour. ...qu'elle ne lui permet pas d'avoir une conversation normale. Après une chaude journée, il n'y a rien de plus agréable que la limonade de 10 heures. Pourquoi ce petit village a besoin d'une telle puissance de feu? Le vulgaire déchet. Je suis caché, hein. Ça, c'est du verrou. Il faut que je trouve la clé. Espérons que quelqu'un aura été négligent. Pourquoi est-ce qu'ils ont si peur des synthétiques? C'est privé. Dehors. Dehors. Tout de suite. C'est privé. Dehors. Ouais, c'est privé. Ouais, je m'en fous. On dirait qu'un marchand a laissé son sac de couchage. Il n'y a aucune marque dessus. Pas moyen de savoir s'il appartenait aux gens de Stockton. Ma jambe me fait toujours mal. Vous avez quelque chose contre la douleur? Passez un agréable séjour. Pour des médicaments, il faudra... Excusez-moi. D'accord. J'espère que Swanson ne vous a pas trop posé de problème. Pas de je me remets. Si vous voulez mon au avis, revoir, alors. Il prend son travail trop au sérieux. Mais bienvenue. Tout le monde ici m'appelle Madame Fitzgerald, mais vous pouvez m'appeler Penny, trésor. Allez. Alors. C'est un plaisir. C'est un plaisir de rencontrer quelqu'un d'amical. Si vous aimez ça, c'est votre jour de chance. Covenant est l'endroit le plus amical du Commonwealth. Vous verrez. Vous êtes là pour acheter quelque chose? Je vais vous faire un bon prix. Vous avez le temps de répondre à quelques questions? Pour vous? Certainement. Est-ce que Covenant a un problème particulier avec les synthétiques? Heureusement que non. Il n'y a aucune de ces machines ici. Les gens d'ici sont très aimables. Comment ça se fait? Tous ceux qui réussissent le test peuvent visiter la ville. Mais on ne laisse pas n'importe qui s'installer ici. Il est essentiel d'avoir une attitude positive pour rester parmi nous. Ok. Vous savez quelque chose sur une caravane qui a disparu? Vous avez parlé à Monsieur Dan, vous. Je ne sais pas pourquoi il fait autant d'histoires. Il essaie juste de semer la zizanie, si vous voulez mon avis. Pourquoi est-ce qu'il ferait ça? Certains sont simplement jaloux quand ils voient des gens qui ont une meilleure vie qu'eux. Et ils n'aimeraient rien tant que de les rabaisser à leur niveau. Et Dan pense que c'est lui qui aide les autres. Ce ne sont pas des gens comme lui qui font du Commonwealth un endroit plus sûr où il fait bon vivre. Oui.
lui cirer les pompes. Allez. On va essayer. Il devrait vous être reconnaissant de l'avoir accepté. Ne me lancez pas sur le sujet. Enfin, j'ai fort à faire. Merde. Passez une bonne journée. Ok. Je vais quand même... Salut, Penny. Vous êtes là pour acheter quelque chose ? Parce que sinon, j'imagine que vous avez des choses à faire ailleurs. J'espère que vous avez apprécié... Elle parle trop ! Putain ! Vous avez le temps de répondre à... Si vous... Votre ville a l'air très... Oh, merci, mais entre nous... Ok. Je dois y aller. D'accord. Faites attention. Bien. Salut, Penny. Vous êtes là pour acheter quelque chose ? Ouais. Ferme-la. Montrez-moi ce que vous avez. Vous ne trouverez pas mieux ailleurs, niveau qualité. Ok, je lui ai acheté un casque. Je sais pas quoi ça... Si c'est mieux, ce que j'ai sur moi. Alors, tenue. Alors... Mon casque, qu'est-ce qu'il a, mon casque? Il a eu rien en plus. Mon casque, il a rien, ben... Hein, on va mettre ça. Voilà. Ça augmente charisme et intelligence de 1. C'est bien. Salut. Bonjour. Vous avez mal quelque part? Pour quelques capsules, je peux vous soigner. Des nouvelles, docteur? Si vous voulez des ragots, allez voir Penny. Moi, je préfère me contenter de soigner les gens. C'est ce que je sais le mieux faire. Ça ne m'intéresse pas. Très bien. Hé ! Oui ? Attendez là. Faire une sauvegarde vite fait. Hey. Parlez de Covenant à vos amis. On a toujours besoin de nouveaux clients. Talia. Oh, j'ai entendu parler de vous. C'est vous qui venez d'arriver. Je fabrique des choses pour la boutique. Oh, je m'appelle Talia au fait. Enchantée. Enchantée? Vous avez l'air doué avec vos mains. Je ne voudrais surtout pas être un fardeau pour la communauté. Vous allez vous plaire ici. Tout le monde est très gentil et serviable à Covenant. Ça m'a l'air un petit peu bizarre quand même. J'ai quelques questions, si vous avez le temps. Si ça peut vous aider, certainement. Est-ce que Covenant a un problème particulier avec les synthétiques ? Les synthétiques ? Non, pas du tout. Le test veille à ce qu'aucun d'entre eux... ne puisse entrer ici. C'est ce qu'ils nous ont promis. Qui vous a promis ça? C'est... Pardon, je n'ai pas le temps de discuter. J'ai du travail. Au revoir. C'est louche! Très 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 louche. Merci pour la colle. C'est très 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 super méga louche. Après une chaude journée, il n'y a rien de plus agréable que la limonade de 10 ans. Hey Dan. Cette ville me met à cran. J'espère que vous avez du nouveau sur la caravane. Vous avez d'autres pistes? Non. Si mon enquête ne donne rien à Covenant, je sais vraiment pas par où commencer. J'aviserai en temps voulu. Les synthétiques sont un sujet très délicat par ici. Maintenant que vous le dites... D'habitude, les gens déblatèrent sans cesse sur les synthétiques, ou sur l'Institut. Mais ici... pas un seul mot. Enfin, c'est loin d'être le plus bizarre ici. Ah, moi, ce sont tous des synthétiques? Vous avez des preuves de l'implication de Covenant? De mon côté, je sais pertinemment que les hommes de Stockton sont passés ici. Mais tout le monde le nie haut et fort. Ils n'ont aucune raison de mentir, sauf s'ils cachent quelque chose. Je vais continuer à fureter. On discutera plus tard. Venez boire une bonne limonade. Salut, Diza. Moins de radiation, moins de fruits mutants, mais toujours le même goût inimitable. Goûtez la limonade de Diza.
Je vais goûter. Voilà pour vous. Salut, Disa. Elle est fraîche, ma limonade. Je cherche une caravane perdue. Tu ne pourrais pas m'aider? Vous savez ce qui serait fabuleux pour une caravane perdue? La limonade de 10 heures. Elle a remporté le prix très convoité de meilleur poisson de Covenant. 3 ans d'affilée. En même temps, si c'est la seule, hein. Qu'est-ce qu'il y a dans cette limonade? La limonade de 10 heures ne contient que de bons ingrédients. Ils sont au nombre de 4 et proviennent d'environnements ensoleillés et non irradiés avant d'être réunis dans un verre bien frais. Goûtez-la et vous verrez. Satisfait ou remboursé? Où est le piège? Il n'y en a pas. Juste la possibilité de goûter la meilleure limonade de Covenant. C'est gratuit pour nos invités spéciaux. Ok. Je vais goûter. Notre offre est limitée à 1 limonade par client et par jour. Ok. Salut, Disa. Elle est fraîche, ma limonade. Non, merci. Vous ne savez pas ce que vous ratez. Tu m'as saoulé. J'étais quick. Je suis détecté par qui? Je sais, ça peut être cool. Pas du tout. Mais je sais que j'ai eu quelque chose pour faire ça. Je crois que j'en ai un, c'était le beau du réseau. Ok. Quelque part, j'en suis sûr. Hé, hey Dan. Vous avez découvert quelque chose sur la caravane? Ouais. Ils ont emmené les survivants dans un complexe. Pas de temps à perdre. Je vous retrouve là-bas, on va les faire sortir de là tout de suite. On va faire ça vite fait, ok, il faut aller dehors, ok, et c'est là-bas. J'aurais besoin de mon robot. Prudence. Allez ! Vous savez, ce n'est un secret pour personne que vous... Jacob ? Vous savez, ce n'est un secret pour personne que vous fouinez partout. Ce n'est pas très civil, si vous voulez mon avis. Je sais que vous pensez bien faire, mais ne prenez pas de décision irréfléchie que vous pourriez regretter ensuite. De quelle décision irréfléchie parlez-vous? Peut-être que l'endroit où vous comptez aller n'apprécie pas les intrus. Allez.
Enfin, les francs jeux, parlez clairement. Clairement ce que vous voulez dire. Vous avez peut-être entendu des rumeurs à propos d'une caravane et d'un certain complexe. Alors, supposons qu'elle ne soit pas totalement infondée. On ne ferait rien sans avoir une bonne raison. La meilleure qui soit, à vrai dire. Écoutez, si vous arrêtez votre enquête, je vous ferai un petit cadeau. 100 capsules. Et on vous accueillera toujours ici à bras ouverts. 100 capsules ? Gardez. Vous pouvez garder vos capsules. Votre sens de la moralité est peut-être douteux, mais pas le nôtre. Réfléchissez. Le mieux est l'ennemi du bien. Il y a bien plus en jeu que vous ne l'imaginez. Ouais, mais je m'en tape les roubignoles. What the bag? Oh, putain. Dégagez. Allez donc vous trouver votre propre coin de pêche. Dégagez. Je peux le tirer dessus. Allez donc vous trouver votre propre coin de pêche. Super coin de pêche. Ok. Nous y voilà. Ah, et voilà. Les étrangers ne sont pas autorisés ici. Qu'est-ce que vous faites là ? Qui êtes-vous ? C'est moi qui pose les questions. C'est qu'est-ce que vous faites là ? Je viens sauver les survivants de la caravane de Stockton. Je ne vous laisserai pas faire. Rien de personnel. Il faut... Au revoir. Il vous attendait. On a dû déclencher un genre de protecteur. Je vous parie 50 capsules qu'il y en a encore bien plus derrière. Plus rien, on dirait. Protéger le docteur Coupe de voir que ces mesures de sécurité sont indispensables de nos jours. Bien essayé. Prudence. Que puis-je faire pour vous ? Ce qui est à moi est à vous, monsieur. Ok, là j'ai trouvé un truc qui avait un truc comme quoi il y a un sujet, je sais pas quoi, machin chouette là.
Allons, allons, du calme. Comment sont les constantes du sujet? Un peu irrégulières, mais comprises dans les... Ils ont réaménagé des égouts de l'ancien monde. Qui? Pas moyen d'ouvrir d'ici. Je ne sujet est prêt pour le test de quel courage. Ne parlez que quand on vous adresse la parole. Sujet, suivez, répondez aux questions rapidement et en disant la première chose qui vous vient à l'esprit. Un scientifique à l'air dérangé vous aborde en hurlant « Je vais coller mon harmoniseur quantique dans ta chambre de résonance photonique. » Quelle est votre réaction? C'est le test sécurité grand. Répondez à la question. Il faut protéger les missions. Je sais pas. Je connais rien aux sciences. Je fais comme s'il n'était pas là. Vous faites comme s'il n'était pas là, dites-vous. Où sont-ils? Fascinant. Tout un truc doit être éliminé. Allez! Merde. Au secours! Venez m'aider! Protégez le docteur coûte que coûte. Coûte que coûte. Il va falloir faire mieux que ça. Avancez. Protégez le docteur coûte que coûte. Protéger le docteur coûte que coûte. Et si important que ça, votre docteur là? Le travail de toute ma vie est en péril à cause de vos efforts pour retrouver la prétendue fille de Stockton. Vous savez que c'est certainement une synthétique. S'il n'y a pas que l'argent qui vous motive, il est encore possible d'arrêter tout ça avant qu'il ne soit trop tard. La fille de Stockton est une synthétique? Pour quelle autre raison aurions-nous attaqué la caravane? Le test a confirmé notre évaluation d'origine avec une probabilité de 70%. Pour m'en assurer, il faudrait que je pratique une autopsie. Rien de ce que vous direz ne pourra excuser ce que j'ai vu ici. Notre seul but est d'empêcher que d'autres innocents souffrent aux mains de l'Institut et de mettre un terme à la menace que représentent les synthétiques. Ouais, Ils c'est une menace, mais... Un refuge pour les gens brisés, victimes des ravages de l'Institut. Un endroit sûr où penser ses plaies. Mais surtout... C'est notre seule chance d'en finir avec ces temps de paranoïa. Faisons un marché. Si vous me laissez éliminer la synthétique de Stockton et poursuivre mes recherches, je vous offre une somme équivalente à celle qui vous a déjà été proposée. Elle est bien bonne, celle-là. Pas question. Heureusement que je ne m'adressais pas à vous. Si vous prenez le parti de ces dingues, on va avoir un sérieux problème, vous et moi. Du genre mortel. Ne tuez pas la fille.
Épargnez-la. Impossible. La probabilité qu'elle soit un agent de l'Institut est bien trop élevée. Même si ce n'est qu'une malheureuse victime de cette guerre, l'épargner pourrait tout compromettre. C'est une menace, Dan ? J'ai mon propre code d'honneur. Mon portefeuille en souffre souvent, mais ça m'aide à dormir tranquille. Covenant est un refuge. Au fil des ans, nous avons recruté des individus partageant le même point de vue que nous. L'Institut a détruit nos vies. Covenant sert essentiellement à administrer et à peaufiner le test sécurité. Mais certains considèrent que le côté humanitaire est tout aussi important. Si vous détruisez tout ça, leurs vies seront à nouveau bouleversées. Pas question. Je refuse. Dans ce cas, il va falloir me tuer. J'ai pas vraiment besoin de vous tuer, hein. Ne me faites pas de mal. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Ces hommes, ils m'ont emmené de force. Ils étaient avec leurs aiguilles à poser des questions, à me faire souffrir encore et encore. Toujours les mêmes questions stupides. Je m'appelle Amelia Stockton. Je ne suis pas une synthétique. Preuve? Comment en avoir la certitude? Je vous en prie. Vous devez me croire. Je suis humaine, tout comme vous. Mon père, le vieux Stockton, il vous récompensera. Laissez-moi partir. Eh, hey, c'est le vieux. Ah ouais. Au secours. Je le sauve. Aidez-moi, je vous en prie. C'est le réseau du rail. Ok. Vous devriez pouvoir vous séparer de quelques menus objets, n'est-ce pas? Hey Dan. Donc Stockton récupère sa fille et nous, on est payés. C'est plutôt une bonne journée. Et si c'était une synthétique? Si après tout ce qu'ils lui ont fait endurer, ils savent toujours pas si c'est une synthétique ou pas, je dirais qu'elle est humaine. Voilà votre part. Je vais aller chercher la mienne chez Stockton. Ça a été un vrai plaisir. C'est tout? On ne m'appelle pas Dan l'intègre pour rien. C'est exactement la moitié de ce que Stockton a accepté de me payer. Pas une capsule de plus, ni de moins. Oh, je m'en fous, allez. Faites oh. Attention à vous, Dan. Vous aussi. Bonjour et au revoir. Je vous tue pas, et tout le monde est content! Voilà. Un robot. C'est plastique, ça. Non, mais non, ça c'est simple, c'est pas du plastique, ça. Si seulement tant de technologies n'avaient pas été perdues après la guerre, l'humanité n'aurait pas régressé à ce point. Pas faux, mon beau, pas faux. C'est plastique. Docteur Chambers? Tout ce que j'ai fait, c'était pour le bien de tous. Ouais. Bon. Pour vous, ouais. Donc voilà. Donc ça, cet incident est fini. Donc voilà, donc on va sortir de là, hein. Bon, je crois que cet épisode il a été partagé en deux parties, enfin je ne sais pas, j'aviserai.
Donc voilà, donc je vais faire quand même la fin, voilà. Je suis sorti de ce complexe bizarroïde là. Je voudrais sortir de l'eau quand même. Allez, sort de l'eau. Voilà. Bon, ça qui est fait, est fait. Dégagez. Allez donc vous trouver votre propre point de vue. Ok, bon, ben voilà. Donc, alors, je vais vous résumer. Ça, c'est fini, tac tac. Je passerai chez Stockton, enfin, du moins l'endroit, hop, là-bas. Mais tiens, ça, je vais faire ça vite fait maintenant, comme ça, moi, ça sera fait. Après, j'y penserai pas pour plus tard, on va dire. Voilà. On est arrivé à Bunker Hills. Ces fortifications sont impressionnantes. J'espère que ce n'est pas mauvais signe. Vous feriez mieux de me laisser vous examiner. Oh, je vais bien. Où le vieux, là? Oh, il est là, normalement, à chaque fois. Le fait que ce monument soit toujours debout témoigne de la qualité de l'architecture urbaine. Ça me serait bien utile d'avoir un petit robot. Je fais des merveilles au sein d'un foyer. Ouais, quoi? Ça, c'est le monde de caravane. Ok, bon. Ça sert à rien de monter là-haut. Je suis monté là-haut. Dites-moi pourquoi je suis monté en haut, bordel. Donc voilà, donc suite à cet épisode, je serai chez moi, j'aurai vidé tous mes coffres de mon robot et de moi-même, enfin du moins l'inventaire. Donc voilà, j'aurai vidé tout ça et voilà. Et après on sera prêt pour faire l'extension avant de finir le jeu, enfin à dire finir côté confrérie. Parce que je pense que si j'avance trop loin, après ce sera vraiment la fin du jeu. Mais je voudrais quand même faire cette île mystérieuse avant. Comme ça j'aurai des stuff ou autre, on sait jamais. Donc voilà, bon, j'ai perdu un truc, bon c'est pas grave. Donc voilà, donc je vous dis à plus tard pour mes aventures sur Fallout 4, c'était Guincho. Bye bye.